tout ce que je peux vous dire, ça fait 25 ans que je fais ce métier, on est quand même en train de dire qu'un type qui est candidat à la présidentielle, enfin, on balance un témoin qui dit que 80% de sa fortune est planquée dans un paradis fiscal à Jersey ou Guernesey, à 15 jours d'une présidentielle, enfin, c'est faux. Le mec, il n'attaque pas en diffamation, il dément pas, il prend pas la parole, il dit rien. Moi, je trouve ça extrêmement suspect. Et dernier élément intéressant pour vous dire dans quel genre de mélange de genres on est en France, un truc qu'on n'avait pas vu au moment du documentaire, qu'on a compris après. Qui est le patron de Bercy entre 2005 et 2007, au moment où les banques d'affaires, Lazare et Rothschild, Lazare c'est certain, en 2005, et Rothschild, d'après notre source, dans la foulée, ont été négociés avec l'administration des finances des arrangements fiscaux pour leurs associés gérants. Qui est le ministre de Bercy? Thierry Breton. Ok. Que fait Thierry Breton en mai 2007, à la fin de cette période? Il quitte le gouvernement, il part aux États-Unis. Et il est recruté par qui? La branche américaine de Rothschild & Co. Donc là, on a quand même un problème. On a contacté Thierry Breton, qui est un commissaire européen. Au début, ses chargés de communication nous ont un peu snobé. Puis là, ils ont rappelé, ils sont un peu inquiets. Parce qu'on leur dit, mais alors attendez, le type, il est ministre des Finances. Il négocie des arrangements fiscaux pour les associés gérants des banques d'affaires. Et trois mois après, il est recruté à coup de grosses sommes d'argent par la même banque d'affaires. Donc on est à nouveau dans ces problèmes de pantouflage. Où on se demande s'il n'est pas en plein conflit d'intérêts, Thierry Breton. Donc si vous voulez, ça fait beaucoup, quoi. Quand on sait que Rothschild est au cœur de l'État, s'arrange pour avoir l'ancien dircap de Balladur. Pompidou était chez Rothschild. Bazir, secrétaire général d'LVMH, est passé par Rothschild. Emmanueli, François Perrol, secrétaire général adjoint de l'Élysée sous Sarkozy. Emmanuel Macron, secrétaire général adjoint de l'Élysée sous Hollande. Est maintenant président. Donc cette banque a quand même beaucoup de gens au cœur de l'État et manifestement l'État est très peu regardant avec la fiscalité des associés gérants de cette banque.